Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très belles boucles d'oreilles au crochet. Elles sont vraiment très simples à faire, très rapides également, ça prendra pas plus de, on va dire, 20 minutes et encore, peut-être parce que le fil est assez fin, donc c'est peut-être un peu plus délicat, mais elles sont vraiment très simples à faire, très rapides. Vous pouvez également les faire donc beaucoup plus grandes en fonction du nombre de cercles. J'en ai fait 5 de cercles. Parce que ces boucles d'oreilles, ma fille les a essayées, elle les a adorées, donc 5, c'est parfait pour la longueur. Vous pouvez les faire plus grandes, plus petites, n'importe quelle couleur. Donc, c'est vraiment vous qui pouvez les adapter à votre tenue. C'est fait très rapidement et sont super sympas. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser ces très belles boucles d'oreilles au crochet, qui sont vraiment très simples à faire, absolument pas compliquées, donc je vous montre, c'est des petits cercles accrochés ensemble. Vous aurez besoin donc de ces petits accroches pour boucles d'oreilles, ce genre-là ou un autre, en fonction de ce que vous aimez porter. Donc là, j'en ai fait une, on va faire la deuxième ensemble. Vous aurez besoin, donc moi personnellement ici, j'ai pris du fil, du coton 100% mercérisé qui se crochette avec un crochet 1,75-2 à avoir. Et je vais travailler tout ça avec le crochet 1,75. Donc, vous prenez, si vous prenez un fil plus gros, automatiquement, vos petits cercles vont être beaucoup plus grands. Si vous prenez plus petit, vos petits cercles vont être plus petits. Vous pouvez également faire plus de ronds. Je vais vous montrer comment les assembler, les 5. J'en ai fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Les 5, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. C'est à vous de voir. Alors, on va déjà commencer par faire notre nœud de base. Donc, on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe notre fil sous notre boucle. Ensuite, avec le crochet, on va chercher notre fil. On tire dessus. Le nœud est fait. Là, maintenant, on va faire 12 mailles chaînettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles chaînettes. Je vais déjà couper un petit peu le fil ici de départ pour qu'il nous dérange un petit peu moins. Ensuite, on va simplement aller dans la première maille de départ et on va fermer avec une maille coulée, comme ceci. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va rentrer dans notre cercle et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 20 mailles serrées. Donc, vous entrez dans votre cercle, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté à travers les deux boucles. La première maille serrée, vous rentrez dans votre cercle, vous ramenez votre fil, un jeté à travers les deux boucles. La deuxième, on va en faire 20. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va entrer dans notre première maille serrée. On ramène notre fil, on fait une maille coulée. Là, on coupe. On fait une dernière maille en l'air, on tire dessus. Maintenant, comme ça va être plus compliqué pour cacher, vous allez simplement prendre votre fil, le passer une fois à l'avant, ensuite le passer à l'arrière,
Et vous allez faire ça un certain nombre de fois pour être bien sûr de l'avoir vraiment bien coincé. Quand il est vraiment bien coincé, on coupe. On a notre premier cercle. On reprend notre fil. On refait donc notre nœud de base. Et on refait 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors je recoupe un petit peu à nouveau pour ne pas être embêtée. Ensuite, je prends mon premier cercle. Je passe mes 12 mailles chaînettes à l'intérieur, comme ceci. Là, maintenant ici à nouveau, je vais dans ma première maille serrée, dans ma première maille de départ, pardon, excuse, là je ne vois plus, voilà. Je ramène avec une maille coulée. Là, je vais refaire ce qu'on a déjà fait ici. Donc, une première maille en l'air. À l'intérieur de notre cercle, on va faire 20 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mailles serrées à nouveau. De nouveau, vous rentrez dans votre première maille serrée. Vous ramenez avec une maille coulée. À nouveau, on va couper notre fil. On fait une maille en l'air de plus. On tire. Donc, on va de nouveau cacher notre fil en le passant entre nos mailles. Une fois à l'arrière. Une fois à l'avant. Vous allez faire ça le nombre de fois nécessaire pour bien le cacher. Et là, je fais vraiment très attention puisque ces boucles d'oreilles sont destinées à ma fille. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des réclamations après. Voilà. Donc, dès que c'est bien caché, vous coupez les deux fils, celui de départ et celui de la fin. Donc là, on a fait, on a deux. Donc là, on a deux boucles. Moi, ici, sur la mienne, j'en avais fait 5. Donc, on reprend exactement le même procédé qu'on a déjà fait pour les deux premiers. Donc, on fait notre boucle. Donc là, j'accélère un petit peu parce que je vous ai déjà montré. On fait notre nœud de base. On fait nos 12 mailles en l'air, 12 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À nouveau, je reprends mes deux cercles. Je regarde bien qu'ils soient les deux long droit vers moi. À ce moment-là, je fais passer mes 12 mailles chaînettes à l'intérieur. Dès que c'est bien à l'intérieur, alors je tire un peu là.
Je vais dans la première maille de départ à nouveau. Et je ferme avec une maille coulée. Je vais prendre les deux en même temps pour les coincer tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et de nouveau, dans notre cercle, je refais 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À nouveau, je vais dans ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Je coupe le fil, je fais une dernière maille en l'air, je tire. Donc celui-là, on va bien le cacher en le passant bien à l'avant dans les mailles, à l'arrière, le nombre de fois nécessaire pour qu'il soit bien caché et qu'il y ait moins de risques qu'il ne réapparaisse plus tard. De nouveau à ce moment-là, je coupe donc le fil de départ et le fil d'arrivée. Donc ici, j'en ai trois. Une, deux et trois. On va commencer la quatrième. Donc pour la quatrième, vous allez faire exactement la même chose. Je pense que vous avez très bien compris. Donc je vais simplement juste accélérer un peu, pas que ça vous dure des heures. Donc on refait 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On reprend nos petits cercles. On trouve déjà le côté à l'endroit. On les met tous du bon côté. Voilà. Ensuite, on passe nos mailles chaînettes à l'intérieur. Voilà. On les fait sortir de l'autre côté. Oups, j'ai perdu. Voilà. Donc quand on est bien rentré, on ferme dans la première maille de départ avec une maille coulée. On refait une maille en l'air et de nouveau à l'intérieur, on va refaire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Là, je vais déjà le couper parce que là, il commence gentiment à m'énerver. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. De nouveau, on va dans la première maille serrée de départ. On ferme avec une maille coulée. On recoupe. On fait une maille en l'air de plus. On tire. Là, on fait de nouveau, on cache de nouveau notre fil. En passant bien dans nos mailles. Là.
à l'avant, à l'arrière, le nombre de fois nécessaire. Avec un fil aussi petit, c'est pas évident. Hein. Là. Quand c'est bon, vous recoupez. Là, on a déjà donc 4. Et dans le bon sens, ce serait pas mal. 2. 3. 4. Donc, on a déjà nos 4 petits cercles. Il nous manque le dernier. Le dernier, on va profiter pour l'accrocher à notre pour l'accrocher, voilà. Désolée, j'ai zappé le mot. Alors, on reprend. On refait notre cercle, enfin notre nœud de base. On refait nos 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On reprend nos petits cercles. On rentre à nouveau, donc on se débrouille, voilà, comme ceci, pour faire passer les 12 mailles chaînettes dedans. On rentre bien dans notre première maille de départ. On ferme avec une maille coulée. Là, on fait une maille en l'air, à nouveau. On rentre dans notre espace et là, on va refaire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. Je n'ai pas fait la 20 exprès. Donc, vous, si vous voulez plus, vous continuez le même procédé de petits cercles. Quand vous avez le bon nombre, le dernier cercle, au lieu de faire vos 20 mailles serrées, là, j'ai fait 19. La 20e, on va prendre l'anneau exprès, pardon, là il n'y a pas moyen que ça revienne le nom. Vous rentrez, il y a un petit espace, un petit trou. Vous rentrez dans votre petit espace. Hop, comme ceci. Donc on a fait 19 mailles serrées. Là on va rentrer de nouveau pour faire la 20e. Sauf que la 20e, on va la passer à travers. C'est pas difficile, je vous garantis, sauf que là, c'est le fait que je dois filmer et vous le montrer, parce qu'autrement, ça se fait tout seul. Là, ça ne veut pas le faire. Voilà. Enfin. Donc, désolé, ça arrive. Donc là, on a fait la 20e. Quand vous avez fini la 20e, vous allez dans la première maille serrée de départ. Vous fermez avec une maille coulée. Vous coupez votre fil. Vous faites une maille en l'air de plus pour faire le nœud et vous tirez. Là, à nouveau, vous allez cacher votre fil. Au plus loin qu'il soit possible.
Quand c'est bon, à nouveau, vous coupez au plus près. Vous vérifiez bien que les autres fils aussi, vous les avez bien coupés. Et là, normalement, vous avez donc votre paire de boucles d'oreilles qui n'est pas difficile à faire. Au contraire, elle est assez rapide. En plus, ce que je trouve super sympa, franchement, c'est que c'est super léger. Parce que ce genre de boucle d'oreille, d'habitude, c'est assez lourd à porter. Là, c'est vraiment super léger. C'est très sympa. Vous pouvez la faire en plusieurs couleurs. N'importe quelle couleur, vous pouvez en faire beaucoup plus. Vous pouvez en faire moins. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous désirez en faire. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.